son de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que dure en ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, oh toi moi béni. A'ouz billahi minash shaitan rajim, bismillahi rahman rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dahu ila yawmiddin. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes au 29e jour de ce grand mois du Ramadan, qui signifie qu'aujourd'hui, ce soit nos autorités, nos guides religieux, vont chercher la lune. Et si la lune a été vue ce soir, demain serait le jour de la fête. Au cas contraire, Inch'Allah, après demain serait la fête. Voilà pourquoi je profite de cette occasion de donner un conseil très important aux fidèles. Lorsque nous allons à la prière, il y a une erreur qui nous arrive très souvent par ignorance. Nous gâtons les mérites de nos prières de jour de fête. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que lorsque l'annonce serait faite que demain est la fête, ou bien nous continuerons aux 30 jours et que l'après-demain sera la fête, le plus important pour nous, à partir du moment où nous avons la confirmation que demain est la fête, nous devons essayer de parler moins de ce qui n'est pas important. Nous devons être de façon constante en train de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. En constante, nous devons être en train de dire ça. Chère maman, tu es en train de préparer, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Chère jeunesse, tu es en train de travailler, tu es en train de repasser tes habits, tu es en train de te préparer pour la fête, il faut le dire maintes fois, c'est très important. Et au petit matin, ce que le musulman doit faire, c'est faire la grande ablution, que nous appelons le grand lavage, avec l'intention d'avoir les mérites. Car la grande ablution des jours de fête ne sont pas obligatoires, mais c'est méritoire. Il faut le faire parce que c'est nécessaire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le faisait toujours avant d'aller à la mosquée. Et lorsque nous allons finir de faire la grande ablution, parmi la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, il prenait quelque chose le matin avant d'aller à la mosquée. C'est très important. Et aussi, comme nous l'avons dit hier, il ne faut pas oublier la zakat fitr. Quand on a fini tout ça et qu'on va à la mosquée, on doit retenir deux choses très élémentaires, très très importantes plutôt. La première des choses, arriver sur les lieux de la mosquée, il n'y a pas de prière surrogatoire. Voilà pourquoi vous allez trouver des imams, des oustazes qui vont être en train de réciter ce que je viens de dire. Donc, vous vous asseyez calmement sans causer avec quelqu'un. Vous répétez avec les oustazes jusqu'à l'arrivée de l'imam.
Et lorsque l'imam va venir, nous devons savoir une chose. La différence entre la prière de Juma et la prière des fêtes est que la prière de Juma, l'imam commence par le sermon et termine par les deux rakats de Juma. Mais contrairement aux deux fêtes, l'imam, dès qu'il vient, il commence par la prière. Et si la prière finit, c'est la chose la plus importante. Nous ne devons pas causer avec quelqu'un. Nous devons comprendre que nous sommes toujours en prière. Car les savants nous enseignent que le prophète, alayhi salatu wassalam, à cause de l'importance du serment du jour de fête, ainsi que la bénédiction finale que l'imam fera le jour de la fête, le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé aux femmes, même qui sont en état de menstruation, d'aller sur les lieux de prière. Parce que cette prière se fait au dehors. Elle reste assise à côté. Et lorsque l'imam va commencer le sermon, elles écoutent attentivement le sermon et après le sermon, la bénédiction faite par l'imam, tout le monde participe pour dire Amin, Amin. Et c'est après la Fatiha de l'imam, si vous voulez faire des photos, vous voulez échanger avec des frères et sœurs, c'est en ce moment qu'on peut se permettre de parler ou de faire autre chose. Sinon, à partir du moment que vous êtes sur les lieux de la prière, vous devez être en train de répéter les formules que je viens de donner. Et quand l'imam vient, vous faites les deux rakats avec lui. Et après ces deux rakats, vous vous asseyez attentivement, écoutez le sermon, suivi de la bénédiction de l'imam. Et lorsque on a fini ça, nous avons gagné la fête, la prière. Pas question de causer. Pas question de faire des photos au moment où l'imam est en train de faire le sermon. Pas question de se lever pour aller à la maison au moment où l'imam est en train de faire le sermon. Si vous le faites, vous avez perdu les mérites de cette grande prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam. Et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.